ceci, ça va te permettre d'aller partout. Tu n'as pas besoin de passeport, de visa. Tu pars en Europe, tu voyages comme tu veux. Mais le carburant de ça, c'est le sang. Hein? À l'intérieur, il y a un cadenas. Dès que tu ouvres ce cadenas-là, le sang que tu as sucé, tu verses dans le cadenas. Et tu viens remettre le cadenas dessus, ça va démarrer l'avion. Tu t'assois, tu pilotes. Jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux. M'as-tu suivi? Oui, grand-père. Prends. Maintenant, pour que tu voyes tout ce que je te dis, ouvre tes yeux. Voyager pour aller au ciel.
Et au ciel. Oui. Ça, c'est quoi? Le pilote. Pour voyager dans l'avion. Oui, on veut. Oui, on veut. Ok, suivez-moi. Est-ce que vous êtes bien assis pour décoller? Oui. Je suis malade. Hey, c'est encore quel genre ça? Malade. Tu sors d'où depuis le matin? Vois comme il est brûlant de fièvre. Attends, vote. Tu as mangé quoi? Rien. Et tu chauffes comme ça? Tu étais où depuis le matin que tu es sorti? Hein? Oui. Ah, viens. Viens d'abord, mon père. Viens te coucher ici là d'abord. Où tu sors même depuis le matin? Hein? Tu dis que tu n'as rien mangé. C'est sûr. Tu n'as rien mangé, tu n'as pas bu de l'eau. Oui. Hey, attends, j'appelle ton père. Chérie, Joyce! Ah, le type si là. On ne peut pas être dans une situation comme ça, on l'appelle, il vient vite. Joyce! Oui, chérie. Tu fais quoi là-bas dedans depuis? Voici l'enfant t'es en train de mourir ici là. Yvan! Oui, papa. Tu as quoi? Tu venais d'être bien tout à l'heure là, non? Hé, hey, c'est quoi ça, mais il est brûlant. Il est brûlant, mais la plante des pieds est glacée. Sa température a augmenté. Hé, hey, chérie, pardon, couvre une situation pour mon enfant, pardon. Attendez, ça va. Je vais aller t'acheter les efferagrants. D'accord, fais vite, ne dis pas. Même tes amis en route ne saluent pas. Fais vite. Ouais. Attends, papa vient avec les remèdes. Attends, il cherche le pain. Thank you.
Tu fais quoi ici là? J'étais en train de jouer. On joue ici là, si le serpent te mord ici, tu vas dire quoi? Hein? Si le serpent te mord quand tu es en train de jouer ici là, tu vas dire quoi? Est-ce que ça c'est un bon endroit? Passe comme ça là, tu pars à la maison. J'étais en train de jouer, il a fait mon cœur tomber dans mon ventre. Comment le tonnerre peut être en train de gronder dehors? Tu ne débranches pas les appareils là. Mais blonde, de quel tonnerre parles-tu? Donc tu n'es pas en train d'écouter le tonnerre qui gronde dehors là. Toi tu ne comprends pas, tu as les problèmes d'audition. J'ai l'impression que tu hallucines. Hein? J'hallucine. Attends que je m'asseye avant qu'on cause. Comme je l'explique là. Je rentre souvent du champ à l'heure-ci là. Mais de quoi parles-tu depuis là? Il est quelle heure? C'était grave aujourd'hui là. Jeudi, je suis restée juste en train de travailler. Une foudre là, ça a blanchi toute la nature. Tout est flou comme je te dis là. Je ne vois plus rien. J'ai cru que mes yeux avaient recommencé. Après, ça passe. Par la suite encore. Le tonnerre, un éclat de tonnerre qui est passé pas assourdissant. J'ai même failli m'évanouir là-bas au champ. Tu sens que si je n'avais pas la main pour faire comme ça là, ce que je n'ai, je ne t'écoute plus. Comme ça ne suffit pas, la malchance ne vient pas seule. L'avion, ouh, c'est comme ça passait que sur ma tête, pouf, sur le toit. Par curiosité, ça ne peut pas faire comme ça, c'est à côté de toi. Je pars regarder, je parle de la vieille maison qui est à côté du champ. La maison en planche là. La vieille maison en planche là. Par curiosité, comme ça ne peut pas faire comme ça, tu ne regardes pas. Je m'en vais regarder. J'arrive à l'intérieur, je vois un petit garçon. Un petit garçon? Un petit garçon. Un enfant du quartier, tu le reconnais? Je ne le connais pas moi, mais je crois qu'il doit être du quartier. Je dis là, qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit qu'il est en train de s'amuser. Je m'amuse. Je lui ai dit qu'il rentre à la maison. Les enfants, ils font, ils ne savent pas qu'ils courent des risques. Blonde, ton histoire de sorcellerie que tu es en train de fabriquer dans ton champ là, tu commences d'abord par le tonnerre, par le soleil qui est dehors, tu parles de quel tonnerre? Maintenant, tu me parles d'un enfant. Ah, c'est toi celle qui sait. La sorcellerie que tu es en train de faire dans ton champ là. Ça te regarde. S'il te plaît, laisse-moi regarder ma télévision. En tout cas, monsieur, qui ne comprend pas des conseils, comprend pas les conséquences. Comme je te parle chaque jour, tu ne me comprends jamais, tu ne me crois même pas d'ailleurs. Tu vas me comprendre un jour. Pardon, va avec ta sorcellerie là, laisse-moi regarder la télévision. Je m'en vais me laver. Thank you.
dit. Oui, maman. Ça, c'est quelle façon de dormir, hein? Lève-toi, tu n'as pas beaucoup de répétitions. Bonjour maman. Bonjour mon bébé, tu es rentré. Oui maman. Tu sais ce que tu as fait, non? Oui maman. Tu te déshabilles, tu te laves, tu manges et tu te reposes. Tu as compris, non? Oui maman. Maman, quand je dors, ne me réveille plus parce que je suis fatiguée. Ok, j'ai compris.